Et salut à toi YouTube et bienvenue dans cette vidéo du coup du match Gamers First contre Karmine Corp tout simplement qu'on a cast avec Wingo, donc c'était un grand plaisir, c'était le premier match des playoffs. Alors je vous affiche juste les playoffs comme ça vous savez les matchs qui vont arriver, mais en gros regardez, boum, vous avez cet arbre ici. Donc nous on cast le premier match là, Gamers First contre Karmine Corp, et ensuite il y aura le gagnant de ce match là qui va jouer contre Solari. Et le gagnant du match Solari contre l'équipe gagnante, qui sera la grande finale contre BDS. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse avec la VOD. Voilà, bonne vidéo, bon match. Et on se retrouve juste après. Des bisous. Allez, on est parti pour les pick et ban. Du coup, ça partit directement. Alors on a Karmine Corp en bleu, évidemment. Gamers First en rouge. Ça a ban Gyroscope en premier par... non, je crois que c'est Sleepy Slide en premier. Et ensuite Gyroscope. Du coup, parcours qui a été pick par Karmine Corp. On a Back and Forth qui a été pris par G1. Ensuite, Freestyle. Très très bonne pour très très bonne map pour Otak Freestyle. Hein. Je me souviens, il avait été incroyable. J'avoue que désolé, je te laisse en full solo. Tu gères parfaitement bien, donc c'est magnifique. Eh ben, c'est très très bien. Non, mais pas de souci. Gère tranquillement la prod de ton côté. Je vois que tu t'en sors très bien, mais ouais, on a une petite nouveauté pour aujourd'hui, pour l'instant, qui marche que pour... Allez, je donne une petite info, ça marche que pour un des quatre joueurs. Littéralement. Vas-y, littéralement, ça donne un peu la suite. Bref, je vais tout simplement screen tout ça tout pour à fait. T'envoyer. Ouais, j'y ai pensé sur le fil. Bon, attends, moi j'ai un peu... Je me pose une question, je me dis, est-ce que c'est parce que La scène n'est pas active, que ça ne fonctionne pas, mais... Ah, c'est pareil chez Spam, apparemment. Ah, bon, voilà, donc c'est normal. Mais à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un petit peu de délai et qu'ils prenaient un petit peu le temps et tout. Mais bon, voilà, certains d'entre vous dans le chat ont deviné. Il y a eu des demandes côté stream parce qu'on était là en mode, bah, vous êtes bien sympa à nous voler les cams pour le main live, mais en fait, nous, on fait ça depuis le début de la saison. Et même, c'est Afi, on en a parlé pendant qu'on roulait un petit peu de kaki ensemble, où il était en mode, bah moi ça me fait chier de savoir que côté Team BDS, bah vous avez plus nos cams, alors que c'est quand même cool d'avoir les réactions, etc. etc. Et donc du coup, ils ont décidé de nous donner les flux de cams. Mais là, comme vous pouvez le constater, petite transition, c'est énorme. C'est énorme les cams. Ah bah, mais Otak a disparu, donc c'est vrai. On est sur une feature des plus parfaites. Mais ouais, voilà. C'est pour ça que la semaine dernière, on n'avait malheureusement pas les cams des joueurs. C'est parce que Afi devait envoyer son flux à l'équipe de production sur la chaîne de Virtual, pour le coup, c'était. Ouais. Et du coup, nous, on n'avait plus les cams parce que envoyer deux fois son flux de cams, ça le faisait laguer. Enfin, il ne voulait pas risquer d'avoir des moins bonnes performances. Ce qui était assez logique. On est parti dans ce match Karmine Corp contre Gamers First, tout simplement, un match full français, mon cher Wingo. On a une erreur, apparemment. Et on a une erreur, tout à fait, de la part de Bren. Je vais donc me positionner sur un autre joueur. Donc, comme tu le dis, un match full français, forcément, bah, y a beaucoup de tension dans ce match-là. Est-ce que Gwen a fail ? Non, Gwen n'a pas fail. Les joueurs qui représentent parfaitement bien leur équipe avec leur skin. Otak est en train de revenir sur Binks et Gwen, mais malheureusement, ça ne va pas être suffisant. Et donc, on démarre instantanément par un ace de la part de Gamers First. Alors après, je les plains un peu, les joueurs, de manière générale. Bon, bien joué à G1, mais démarrer le match sur parcours, c'est quand même difficile. Hein. Bah attends, c'est difficile, mais parcours a été pick par Karmine Corp et ils se font ace premier round. Oui. Ça me rappellerait pas un match, ça? Ça me rappelle complètement un match, oui. Oui, bah... Et encore une fois, c'est Bren qui a fait l'erreur, donc on a vraiment un petit peu le même scénario. C'est vrai. Que contre Alliance la semaine dernière, c'est vrai. Où ils étaient pas ouf sur leur première map, ils avaient pris un petit peu de temps à se lancer et ils avaient repiqué cette map sur le deuxième BO5 et ils l'avaient gagné. Donc comme quoi, ça dépend vraiment de la performance. Et on a une perte de gear. Alors j'ai pas vu qui c'était Binks. Du coup, est-ce que Bren et Otak vont en profiter pour aller chercher un ace? Peut-être. C'est au tour de Gwen d'aller chercher un petit peu de temps là sur les deux joueurs devant. Voyons voir l'identité qui va arriver. Pas de touchette avant.
Ok, ils ont tous une bonne speed. Gwen qui prend un petit peu en diagonale, mais pas plus de vitesse. Ouais. On va essayer sur les transis. Est-ce que ça passe? Ça passe pour tout le monde. Oh, c'est bien. Et ça va être le contre-ace, mon cher Wingo. Le contre-ace, littéralement. Alors d'ailleurs, petit update concernant... Attends. Est-ce que j'ai le bon world record? Parce que on est bien sur parcours. Oui. Oui, c'est le bon. Ben, pourquoi j'ai un... Ah non, oui, j'ai un 1.01.9. J'ai eu peur. J'étais là en mode, attends, il vient de pulvériser le world record avec 0.5, mais non, en fait, pas du tout. Ce qui est quand même un excellent temps, bien évidemment, de venir chercher un 1.02.4, round numéro 2. Tu l'as dit, contre Ace, qui nous amène à 3-3. Ce match est donc relancé. J'ai envie de dire heureusement, parce que ça aurait été assez étonnant, en plus de ça, d'avoir... un mauvais start comme ça de la part de K-Corp sur cette carte. Donc voilà, le match est relancé, 3 partout, égalité. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, on sait que les joueurs K-Corp, même s'ils perdent la première map, c'est pas du tout terminé. Ils ont complètement le mental pour remonter. Mais effectivement, ça fait plaisir d'avoir un contre-ace. On va voir attention peut-être au contre-contre-ace. Pour l'instant, Banks et Gwen qui sont très bien positionnés pour effectuer ça, mais on sait qu'il y a encore l'identité. On va voir Bren, un tout petit peu plus de speed que son teammate sur cette entrée d'Earth. Voyons voir ici, cette transi qui est très importante pour atterrir tôt, repartir avec la vitesse. C'est bien réalisé de la part des joueurs Gamers First. On arrive sur les dernières petites transis, il faut très bien conserver sa vitesse et les petites transis. Ici, les petits bumbanks qui va être 3 à gauche, qui va respawn. Bren qui tente le barrel, est-ce que ça va dépasser sur Gwen? Non, il est trop devant. Très bien tenté de la part de Gwen, de Bren, ce barrel. Je sais pas si tu l'as vu, mais du coup, on va arriver sur un draw. Je l'ai vu une fois qu'il a atterri, donc j'ai pas vu le barrel en tant que tel. Mais par contre, Gwen qui vient chercher un 1.02.255. Donc le barrel n'a pas suffi à aller chercher le très très gros temps de la part de Gwen. Bien joué en tout cas. Et ouais, un draw. Donc vraiment ce match en tout cas qui bat son plein pour le moment sur cette map numéro 1. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça fait plaisir aussi dans le sens où... enfin, c'est les 3 derniers matchs de la saison, donc on s'attend aussi à avoir le plus haut niveau possible de la part des deux équipes. Maintenant, c'est plus un secret, toutes les équipes de la TMGL ont dû clairement train toutes les maps. Attention ici à l'erreur de la part de Banks. Alors ça va, c'est pas non plus une trop grosse erreur, mais il se retrouve à 0.4 derrière. Ouais, à 0.4 derrière, effectivement, et Otak aussi qui avait un tout petit peu clippé... Mais du coup, il perd pas autant de temps que Banks, on va voir pour l'instant. Ou Bren qui est pas parti avec beaucoup de vitesse dans cette identité. On va voir les transis ici, les petits bumps. Il faut bien contrôler sa voiture, atterrir à plat. C'est bien réalisé de la part de tous les joueurs. Et ce sera normalement, à moins d'un snipe de Banks sur attaque, non. Ce sera encore une fois un draw. On se retrouve à 5 à 5. Eh bien, très très bien joué en tout cas de la part, des joueurs. 5-5, c'est intéressant ça comme match. Ça, j'aime bien ça. Ah oui, ça fait très plaisir. On est reparti du coup. Là, on est un peu sur un 0-0 premier à 5, Wingo. Hein, ouais. Ouais. Non, mais j'aime bien. Franchement, très content de voir ce début de match comme ça, là. Ça fait bien plaisir. Ouais, allez, on est reparti. Pour l'instant, les 4 joueurs roulent dans roue. Et il n'y a pas vraiment de différence. Gwen qui part un petit peu excité, mais qui arrive à contrôler sa trash. Du coup, il va revenir... dans le peloton, très bien joué de sa part. Ici, le moins d'airtime possible. On voit vraiment les joueurs qui grident au centimètre près sur ce airtime. Pas d'erreur dans le bobsleigh. On a vraiment les 4 joueurs qui se suivent. Seulement 15 centièmes entre les 4 joueurs. On arrive sur l'identité. C'est roue dans roue. Ça peut beaucoup être un ace. De la part de Gwen. Ok. Énorme fail. C'est dommage. De la part de Gwen, est-ce que Banks va pouvoir récupérer la première place? Non, ce sera second pour lui. Et du coup, Carmin Corp qui crée la différence sur ce round-là, ce qui les amène à possiblement clore ce match avec un ace si jamais ils y arrivent, puisque du coup, ils sont à 7 points sur les 10. Comme d'hab aussi, par rapport à la semaine dernière aussi, les overlays hein, qui n'ont pas changé en haut. Avec la différence entre le match en cours et les différents sets, comme on vous a dit en début de live, c'est 2 BO5, plus si jamais il y a égalité, une decider map, donc on verra bien ça. En tout cas, 7 à 6 sur parcours, et pour le moment,
avec G1 qui a un très bon début de round ici, Bren avec un moins bon high slide malheureusement. Est-ce qu'il pourrait revenir peut-être en venant grid ici sur le quarter? Ça a l'air d'être bien géré par la plupart des joueurs. Oh, et l'erreur de son coéquipier malheureusement. Il va s'en vouloir. Ah, il va s'en vouloir au tac après Bren. Il sait ce qu'il doit faire maintenant. Il a sûrement une call, quoique non, ils sont pas en vogue. Et Bren qui touche et ça ressemble globalement à un ace si les deux joueurs G1 savent l'avance qu'ils ont, parce qu'au niveau des CP... Oh, regarde Yannick, son arme, leur réaction en direct. Ah, mais non. C'est top. Espérons que ce soit fixe pour les autres pour les autres matchs. Bref. Bah, du coup, on se retrouve à 7 à 9 et là, ça change tout. Hein, parce que oui, Carmine Corp peuvent aller chercher un ace et gagner cette première map qui est leur pick. Hein, d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Très important. Mais Gamers First à 9 points, ils sont très très bien positionnés là. Ouais, là, ils ont pas le choix. Hein, ils vont être obligés de pousser le plus fort possible. Mais G1 qui sont tellement dans une position favorable, ils ont pas du tout besoin d'aller trop grid. G1 vraiment là. Il faut absolument pas faire d'erreur. En plus de ça, ils sont au courant que Bren n'a pas eu le meilleur start possible non plus. Il a déjà 0.4 de retard sur ses adversaires. Pour le moment, c'est Otak qui est au milieu du peloton et qui va devoir assurer pour son coéquipier. On pourrait s'attendre, si ça reste comme ça, on pourrait s'attendre à ce que Bren aille tenter le barrel. Là, tout de toute fait, manière, ils n'ont pas le choix. Hein. C'est vrai que là, Bren, ils doivent absolument aller chercher sa respawn. Ouh là là, là ça commence à être compliqué pour Carmine Corp. Ça a l'air d'être le dernier round de cette première map. Même si Otak va chercher une première place, ce sera la win. Hein. Oh, et oui, et là c'est terminé. Bah, même un des deux joueurs GamerSource peut se planter. Ça reviendrait un peu au même. Mine de rien, première map qui est remportée par G1. Ils ont fait de manière générale des super bonnes performances sur la map avec assez peu d'erreurs en plus de ça. Et puis surtout, ils remportent la première map qui a été pick par Carmine Corp. On a vu à quel point en plus de ça, les pick et ban, enfin la manière de gérer les pick et ban a un petit peu évolué au fil de la TMGL avec au final, sur les dernières semaines, bah, ça sélectionne directement la map que tu préfères jouer. C'est un peu difficile de démarrer ce match comme ça, surtout en BO5. Ouais, bah forcément, quand tu prends l'ascendant avec la première map, tu peux vite, t'arrives directement sur ton pic, surtout si t'arrives à contrer le choix de map de l'adversaire, première map, t'arrives sur ta map, tu fais 2-0. Et là quand t'es Carmine Corp, si tu perds 2-0, c'est compliqué. Bon, bref. Mais oui, en BO5, c'est d'autant plus important quand tu prends la première map. Ça dirige vraiment le match, tout simplement. Bon bref, on est parti pour cette map, donc back and forth. Et là, on espère que ce soit back and forth. Bah, ça relancerait ce match. Ouais, non mais j'ai complètement la ref en fait par rapport à ce que tu viens de dire. Je suis assez bilingue moi aussi. Et... Enfer. Non mais oui, forcément aussi, c'est... Pour l'amour du spectacle, c'est ce qu'on préférerait avoir aussi. Et pour le moment, en tout cas, c'est bien parti. Attention à Gwen ici qui revient bien, avec probablement un meilleur 3-6 que ce que Bren a pu obtenir. On sait à quel point il y a la possibilité d'aller chercher du temps et de la vitesse sur l'identité finale de cette carte. On l'a vu, on l'a bien vu la semaine dernière. Et pour le moment, c'est K-Corp qui s'en sort très très bien avec les deux joueurs devant. Mais Gwen qui revient très bien avec de meilleures trajectoires ici. Il récupère la deuxième place. Est-ce qu'il peut prendre la première place? Et oui, il va chercher la première place en démarrant avec un 57.8. Gwen qui... ils sont tous en 57 très... Ouais, ils étaient tous en 57. Assez impressionnant. Littéralement, les 4 joueurs, genre tu fais un 57 et t'es dernier. T'imagines? C'est horrible. Bon, déjà, il faut le faire, le 57, oui, donc déjà, de mon côté, ouais. Ça va être compliqué. Mais après, on va pas se mentir que si... Du coup, j'imagine pas trop. Si on revient un peu à leur réalité, tu vois, bien évidemment que la majorité de ces joueurs-là... Ouh, Gwen, qui vient de perdre le grip ici. Ça, c'est le genre d'erreur qui fait vraiment très mal en plus, parce que t'as besoin de vitesse pour la suite. Tous tes repères sont basés sur la vitesse que t'as initialement. Donc, c'est un peu difficile pour ça. Mais du coup, oui, ce que je disais, c'est que je sais plus. Ouais, pas de soucis, hein, le match, il y a des retournements de tous les côtés, donc on perd un petit peu le fil de... Je viens de me souvenir.
Ah, très bien, bah tu peux reprendre. Non, mais j'étais en mode, je pense que tous ces joueurs-là ont des PB qui sont encore plus bas que ça, et donc du coup, certes, nous, on voit à quel point c'est impressionnant de le rentrer en match, mais peut-être que eux, ils ont une réalité qui est un peu différente vis-à-vis du temps qu'ils réalisaient, quoi. Ah, mais je pense bien. En vrai, pour eux, 57, c'est ce que t'es censé faire. Oui, voilà. Et plus tu descends, mieux c'est. Mais je pense que certains se mettent la barre de, voilà, si t'es en 58, même si c'est du point zéro, t'as peut-être un peu loupé ton round. Enfin bref. Et c'est normal à ce niveau-là de se mettre ce genre de standard. À mon avis, c'est aussi... Je crois... Non, c'était Worker qui en parlait sur une interview chez Z-Dream, comme quoi lui, son training, souvent, c'était... Il se disait, ah bah, je dois faire trois fois ce temps-là à la suite, et si tant que j'y arrive pas, je quitte pas la map. Ouais, mais en même temps... C'est la routine, quoi. Ouais, c'est vraiment la routine, et surtout, j'imagine que tu peux même t'amuser à faire des statistiques de... Eh, plus cette routine, tu l'appliques bien, plus c'est rapide à y arriver, j'imagine, au fur et à mesure des jours. Énormément de mémoire musculaire. C'est Afi qui en parlait aussi dans la semaine où il disait, bah, enfin... Des deux côtés, mais que ce soit... Parce que Bren aussi, il a clip pas mal. C'est en train de se jouer devant, mais Ota qui a une excellente avance. La trajectoire tellement intérieure de la fin de map qui va lui assurer cette première position face à Gwen. Et c'est Bren qui va récupérer la troisième place. Banks qui malheureusement, perd complètement son round un peu bêtement, puisque finalement, il avait une troisième place qui était assez safe. Mais bon, ça change pas non plus grand-chose. Ouais, bah là, K-Corp qui prend l'avantage. Ouh, et ça clip en plus de ça de la part de Banks. Et on a une erreur par contre de tag que j'avais pas vue. Grosse erreur de tag, hein. Plus de 5 secondes de perdu. C'est dommage, on n'a pas profité des erreurs des autres. Enfin, la petite erreur de Banks au début. En plus de sa Bren qui se retrouve 3ème, ça m'a l'air compliqué, hein, pour les joueurs. Banks un petit peu inté, qui va un petit peu rater la sortie de son 3-6. Il va se faire doubler par Bren. Et là, ça peut être le round victorieux de la part de G1 si ça reste dans cette config-là. Ce qui serait pas mal pour remonter au score. Ouais, comme tu dis, puisque il y a 5-3 actuellement pour K-Corp, Ota qui est beaucoup, beaucoup trop loin pour pouvoir rattraper, à mon avis, Bren, obligé de délivrer. Et il va conserver cette seconde position qui est bien évidemment très importante. Des temps qui sont beaucoup plus lourds, probablement en lien aussi avec ce fail qu'on a vu de Otak pas forcément le besoin d'aller pousser beaucoup trop loin. Si jamais, donc j'ai eu l'information qu'il y a bel et bien des soucis concernant les cams qui ne peuvent pas régler en plus sur le moment, alors qu'il y a une heure tout se passait très bien. Donc à la limite, j'étais en mode on peut très bien aussi reprendre le setup qu'on avait hier avec nos cams à nous. Pourquoi pas. Je me demandais si tu avais tout changé le setup pour partant du principe qu'on avait les player cams. Ah oui, on arrive. C'est en cours de préparation, nous allons revenir, les amis. Oh, et l'erreur! Je crois que c'est Banks. Banks, effectivement. Banks qui s'est planté. Gwen aussi, j'ai tout loupé là. J'étais happé par ton partage d'écran. Ouais, oui, Otak et Bren, du coup, qui peuvent aller chercher un ace, et là, ça les mettrait à 9 points. On a une petite erreur d'Otak en entrée d'identité, mais bon, ils ont 2 secondes d'avance. Ils devraient être assez tranquilles. Quoique Banks qui remonte sur Otak, ça peut être Karin ou une attention en plus de ça. Ouais, ça remonte. Hein. La petite erreur d'Otak en entrée d'identité qui fait qu'il va perdre tout son momentum en backward. Surtout, il faut savoir, en backward, c'est très compliqué de reprendre de la speed. Et si tu touches en début, voilà, là, très compliqué. Du coup, ce sera qu'un round win. Et on dit qu'un round win, mais c'est surtout qu'avec un ace, ce serait arrivé à 9-5. Et ils auraient vraiment eu un avantage considérable. Alors que là, il suffit d'un ace pour Gamers First. Et ça passe devant Carmine Corp au classement. Oh bah, là, je pense qu'on peut quand même le dire que c'est un peu une occasion ratée. D'assurer la map. Là, ils sont à 8-6, c'est pas non plus 100% assuré, il va falloir vraiment se la donner pour que ça puisse fonctionner. Petite transition ici, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Moi d'ailleurs, je vais pouvoir aussi pouvoir un peu regarder plus facilement le match là, parce que j'étais en train de faire full setup et tout. Mais en tout cas, Otak, actuellement la seconde place,
On a vu, hein, il y a du temps à récupérer cette identité, mais Banks qui est arrivé avec beaucoup plus de vitesse. Qu'est-ce qui se passe derrière? Gwen qui a fait une erreur, du coup, Bren qui avance toujours bien. La trajectoire bien à l'intérieur de Banks. Hein. Ouais, il avait plus de speed attack, ça remontait petit à petit. Ça aurait permis à K-Corp d'aller chercher la win sur cette deuxième map. Malheureusement, Banks a eu une intérieure très très bien gérée de son côté, ce qui lui conserve la première place. Après, ils sont dans une situation qui est plutôt favorable pour le moment, donc du coup, c'est pas si mal. Mais voilà, faut voir un peu. Faut vraiment rien lâcher, pas faire d'erreur, surtout. Petit airtime de la part de Gwen qui va l'amener en retrait, mais Bren qui a eu un mauvais start, malheureusement. Le léger slide ici, on a vu qu'il pouvait y avoir des erreurs. Il n'y en a eu qu'une seule de la part de Gwen à cet endroit-là. J'ai pas l'impression qu'on a eu un autre moment, à moins que je l'ai raté. Tout à l'heure, les 3-6 au tac qui se rate complètement. Et ça, non. Oh non. Ah ouais, je crois que c'est ce qui se passe. Non, ce serait incroyable, mais enfin, bah, pas du tout dans le bon sens pour K-Corp, mais incroyable pour G1 par contre. Parce que là, ils peuvent venir récupérer un Ace. C'est complètement. Oh non, Bren qui clip. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. À moins d'un respawn. Banks qui est en full safe. Gwen qui va passer devant. Et c'est l'Ace. Et en full safe avec un 57.9 tout de même. Donc en plus de ça, ça roulait très bien devant. Et s'il y avait un round sur lequel il ne fallait pas d'erreur. Surtout que il n'y avait pas besoin non plus de pousser à fond. Il fallait surtout assurer le round. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Ouais, il y a eu deux erreurs. Une erreur de Bren en early, une erreur sur le 3-6 de la part de Tac. Ce qui fait que Gwen et Banks, ils ont qu'à sécuriser leur run. Et c'est ce qu'ils ont magnifiquement fait avec un 57 tout de même. Donc ouais, ça roulait bien rapidement. On arrive sur Freestyle, une map qui a été piquée par K-Corp, donc la troisième map. Et là, moi, je me souviens vraiment de Tac qui vraiment gérait très très bien cette map. Espérons qu'il soit sous son bon jour aujourd'hui aussi. Tout à fait, je ne peux qu'être d'accord avec toi. J'étais en train de checker diverses infos à droite, à gauche. Il y avait pas mal de gens aussi qui posaient des questions par rapport au cam, ce qui est plutôt normal. Mais normalement, ça devrait être présent pour le deuxième match. En tout cas, nous sommes partis pour Freestyle. Et cette fois-ci, en plus de ça, j'ai setup mon stream deck, donc je peux changer les world records plus facilement. Freestyle, il y a eu une erreur de la part d'un joueur de G1. Ici, Freestyle, une map qu'on a régulièrement vue. Il y a eu toujours pas mal de choses à dire sur Freestyle, sur la map en tant que telle, et sur les détails de la map, tu sais, hein, avec ce fameux passage ici du ring, avec des trajectoires qui sont différentes. Mais attends, Outak a touché, on est d'accord, oui. Bren aussi, Bren en full respawn, il a double respawn. Il va essayer de sauver son respawn, ça va, il a trouvé c'était pas si mal, des images à faire. Ouais, il a bien. Mais le problème, c'est Outak qui se fait rattraper par Gwen. Ouais, là ça peut être compliqué en début de round, on va voir. Outak qui est quand même avec pas mal de vitesse, Banks qui gère devant, Gwen qui clip un petit peu, mais c'est à peu près cool au niveau de la speed avec Outak. Voyons voir sur le dernier tricks, et ce sera une deuxième place pour Outak, donc pas si mal. J'ai l'impression que même Gwen est parti du principe qu'il allait juste assurer, histoire d'avoir la victoire du round. Je pense que quand t'as 0.5 milieu de l'identité, bon, faut vraiment qu'il y ait une grosse erreur en face pour pouvoir venir doubler, donc autant assurer la troisième position, et il démarre déjà très bien sur cette carte. Ouais, et je vois dans le chat certains qui disent K-Corp no mental, K-Corp décevant, mais sachez que la semaine dernière ils perdaient 2-0 contre Alliance premier BO5 et ils sont remontés, donc c'est vraiment pas terminé, hein, les gars. C'est que le début du match, et on sait que K-Corp a, bah, par rapport au match de la semaine dernière, un petit peu de mal à se mettre dans son match. Et en dehors de ça, on a un G1 qui est très compliqué à jouer aujourd'hui. Hein. La dernière fois qu'on a casté G1, on va pas se mentir que c'était un match catastrophique. Et on n'avait même pas casté du coup leur match de Lower Bracket, si je dis pas de bêtises, parce que finalement on avait casté que K-Corp Alliance. Et du coup, nous, le dernier match en date qu'on avait vu, c'était face à qui parce que c'était la dernière semaine. C'est face à Solari, et c'était une cata. Et là, à l'inverse,
Ok, légère erreur de Gwen, mais il s'en sort quand même. Bren qui a perdu de la vitesse, donc on sait jamais. Attention, non, c'est Ota qui a perdu de la vitesse. Banks ici qui va venir récupérer la première position. Mais si on prend parcours, bah, ils ont pas fait d'erreur. En fait, enfin, si, je crois qu'il y a eu une seule erreur sur tous les rounds. Et si on prend back and forth, ils ont fait absolument... Enfin, ils ont fait que très peu d'erreurs. Et puis surtout, ils roulent extrêmement vite. Et je pense que K-Corp, du coup, se retrouve un petit peu dans une situation où... où ils sont obligés de push un petit peu plus que ce qui est prévu, ce qui les amène à faire des erreurs. Je vois pas que ce soit en lien avec le mental, c'est eux les premiers à être au courant que c'est deux BO5. Hein. Deux BO5, c'est long, ça laisse la possibilité aussi de... Peut-être que tu peux gagner le premier BO5, mais tu peux très bien perdre le second et vice-versa. Donc pour le moment, c'est pas une histoire de mental, c'est une histoire de pure performance, je pense. Et il faut vraiment laisser le temps au match. Hein. C'est ça, et on parle d'un round, ils se sont fait rattraper. C'est juste, des fois, c'est juste compliqué à jouer, c'est pas du mental clair, hein. Zéro, ça a rien à voir, surtout qu'on est qu'en début de match, donc on a encore largement le temps. Après, je suis pas du tout pro K-Corp, pourquoi, mais quand je vois des messages du style, ça me titille un petit peu. On aurait dit la même chose pour les deux. Jeu, quoi. On aurait dit la même chose, ouais. Peu importe la team qui sera en train de jouer, ça aurait été Steiners ou K-Corp, peu importe en fait. Ça aurait été exactement la même chose. Surtout, on a vu le contexte. On arrive sur la fin de cette identité, mon cher Yannex, avec Bren qui va venir récupérer cette première position. Quasi snipe hein, de la part de Banks. Et un round très serré sur Freestyle. On en a assez peu régulièrement parce que c'est une map qui est assez longue. Et en plus de ça, qui est assez difficile. Ouais, très, très compliqué cette map. Il y a pas mal de petits tricks. On voyait en début de saison beaucoup de joueurs rater le no-steer notamment. Et j'ai pas vu quel temps a été réalisé. Je crois réalisé. Que c'était une 0.7.0 high, mais okay. je suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. Peut-être que le chat va pouvoir nous dire. Bah moi, je me souviens d'un WR en point 1 de la part de Pac, je crois un point 10 ou un point 12, quelque chose comme et ça. Et Feed qui a World Record hier en match. Ouais, tout à fait. Feed qui a lâché des très très gros temps. Il a aussi slowdown. Lâché un point 1. Point 1 sur slowdown. Folie, hein. Oh, Otak. Oula, oula. Ok, il peut repartir. Franchement, c'est pas si pire parce que grâce au glider, il va pas non plus perdre tant de temps que ça sur ses adversaires. Je pense que ça va résulter à peut-être 2 secondes à la fin de tout en bas de la pente. Bah, quoique, même pas 1 seconde 5. Donc on sait jamais. Sur une erreur sur l'identité, ça peut très bien se retourner. Et ici, pour le moment, c'est G1 qui a l'avantage. Est-ce que ça va aller grid côté Gwen, il repart avec une bonne vitesse ici sur Bren. Il pourrait venir le chercher hein, avec un très bon dernier passage. C'est ce qu'il vient de faire. Et ça ne sera pas suffisant pour le snipe. Mais très très belle tentative de la part de Gwen. Ouais, ça a été du très très beau jeu, Gwen qui a tenté, mais c'est pas passé, et tant mieux pour nous en réalité, parce que ça nous offre un match un peu plus serré, comme ça, parce que là ça peut être le dernier round du premier BO5, tout à fait. Avec un ace de la part de Gamers First, on va voir pour l'instant les deux joueurs qui partent en intérieur, Bren et Otak, plus excité sur la première dirt, mais ça leur donne plus de vitesse, pas forcément pour Bren, qui se retrouve toujours en quatrième place. On arrive sur le no-steer, voyons voir ici, est-ce qu'on a un joueur qui serait trop à gauche? Non, c'est complètement maîtrisé la part des 4 joueurs après 2 mois en même temps de jeu sur cette map. C'est normal, voyons voir ici la réception nice slide et toujours roue dans roue. Ouais, un round beaucoup plus intéressant par rapport aux différentes erreurs qu'on avait pu avoir tout à l'heure. Attention à la gear ici, Bren qui la perd, ça va être difficile pour essayer de recoller au peloton de tête ici, Banks. Il sait exactement ce qu'il a besoin de faire pour son équipe. Forcément, le ace serait parfait, mais il faut savoir assurer la map aussi. On l'a vu tout à l'heure avec les différentes erreurs. L'identité qui se déroule plutôt bien pour Gwen, du coup, qui aurait clippé, non ? Bren, ok, très bien. Est-ce que Banks peut ? Et oui ! Oh non, mais non, la trajectoire intérieure d'Otak ! Bien joué, magnifique ! Ah, ça lâche des gros temps, hein, bordel. J'ai cru que Banks avait aussi snipe, mais non, Otak plus intérieur qui terminera avant. Et du coup, on évite la catastrophe pour Carmine Corp avec ce draw qui ramène à 6 à 8. Et là, il faut se réveiller pour K-Corp s'ils veulent potentiellement comeback ce premier BO5. Et la fin est vraiment perturbante visuellement parce que le joueur qui prend la trajectoire intérieure, en fait, il conserve l'avantage s'il était déjà devant, mais ça, visuellement, ça donne pas l'impression. Et bon là ça s'est bien vu en tout cas avec Otak. Otak qui fait un très bon match. Bren malheureusement qui va respawn le no-steer. Ouais. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas parlé de ce no-steer. Hein.
Double respawn, Bren dans la tourmente là-dessus, qui va perdre quasiment 10 secondes. Et là, là c'est pas remontable. Mec, là, il faut que Otak fasse premier, sinon c'est la fin de ce BO. Hein. C'est la fin de ce set, là, hein, peut-être. Hein. Otak doit absolument, pour éviter la catastrophe, aller chercher une première position. On va voir, il s'est très très bien élancé dans ce premier tricks. On a quand même Banks qui garde la première place. Otak avec un petit peu moins de speed. On va voir sur le dernier jump. Est-ce qu'on a une erreur de Banks? Sinon, ce sera la win. Et c'est le premier BO5 gagné par Gamers First. Mais 3-0 maîtrisé. 1-0-7.063. Genre, honnêtement. Ça fait que des points zéro là. Quasiment. Non, mais honnêtement, je trouve que le match de la part de G1 est exceptionnel. Genre, vraiment, s'ils continuent comme ça, et je pense que par contre c'est dur parce que là ils font un match de fou, tu vois, mais ils sont un peu en train de se cramer, je pense. Je veux dire, assurer des performances aussi dingues comme ça, et peut-être aussi par rapport au dernier match que nous on a vu en live, j'ai un qui peut-être s'est mis à taffer deux fois plus aussi parce qu'il était en mode on peut pas perf comme ça face à Solaris, c'est pas ça qu'on veut faire, quoi, tu vois, parce que globalement ils ont fait une bonne saison, j'ai un en vrai. Ouais, non, mais complètement. Mais là, c'est aussi qu'à Corp zéro mental, ils ont qu'à faire des points zéro. Hein. Je suis complètement d'accord, hein, putain, sérieux. Et donc ça, c'est payé, du coup, c'est ça? Ok. non, mais les gars, là vraiment, vraiment, moi, je trouve que la conclusion de ce match-là est extrêmement simple. Qu'à Corp a dû push certaines limites qui, peut-être, s'attendaient pas forcément à repousser, tu vois. Qui les a amenés à faire des erreurs avec un G1, mais monstrueux, quoi. Genre ouais, moi, je veux pas tomber face à ce G1-là dans quelconque match, hein, jamais. Hein. Le manager, on a parlé, je l'ai reçu pour une mini RPG of the Week, très cher Alpha Dream. Et lui il guessait, forcément, c'est son équipe, mais il disait qu'elle était en forme et qu'on n'était pas forcément prêt à leur performance. Et pour l'instant, c'est ça. Hein. Écoute, je suis là clairement je vois. je vois qu'ils sont en forme. Mais mais franchement, enfin, il y a pas à dire, hein, le taf qui paye. Et vraiment ils font une très très belle performance sur ce match-là. Alors bien évidemment, on attend que K-Corp fasse le retour sur ce deuxième BO. Donc léger rappel concernant le format, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat tout à l'heure. Donc là, il y a eu le premier BO5 qui a été réalisé avec les pick et ban comme d'habitude, bam bam bam, ça a gagné 3-0 côté G1, clean sweep, mais le match n'est absolument pas terminé. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens, tu l'as dit tout à l'heure Yannex, il y a plein de gens déjà qui sont en mode K-Corp c'est plié et tout. Non. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la semaine dernière. Souvenez-vous, ne serait-ce si on prend BDS versus Solari, on gagne 4-2 le premier BO. On parle de BO7, donc c'est encore différent. On gagne 4-2 le premier BO, on perd 4-0 le deuxième. Il peut se passer exactement la même chose maintenant. Peut-être que la stratégie de pick et ban, elle va évoluer aussi. Peut-être qu'ils ont été surpris. La perf qu'ils ont fait sur parcours avec G1 était assez ouf aussi. Donc c'est absolument pas terminé. Et on va voir ce que ça va donner sur ce deuxième BO. Avec les points zéro qui ont été lâchés, à mon avis, ils vont pas repick freestyle. Hein. Je veux pas trop m'avancer, ouais, mais je suis assez d'accord. Vraiment le freestyle, il a fait mal. Mais oui, vraiment, n'oubliez pas que c'est plusieurs BO5. La semaine dernière, Carmine Corp avait perdu leur premier BO5 3-1, donc certes pas 3-0, mais 3-1. Ouais. Et ils avaient gagné ensuite le deuxième 3-1 et gagné le decider. Donc vraiment, c'est tout à fait remontable et on l'a déjà vu. Alors. Non mais exactement, hein, je suis bien d'accord avec ça. Donc vraiment, on va juste suivre un peu l'évolution de tout ça. Et puis on souhaite à K-Corp d'avoir la force mentale aussi de bien se remettre dans ce match-là, de reset complètement. C'est ça qui va être important. Et là, peut-être que potentiellement, on pourra parler de mental parce qu'en effet, là, on les attend de 100% reset et de repartir sur un nouveau match. C'est ça, là vraiment c'est à eux de montrer, surtout qu'ils ont le premier pick, hein, sauf erreur, vu qu'ils sont, je sais pas la raison de pourquoi, parce qu'ils ont le seed 3 à la saison régulière, je crois, ouais, il me semble, et j'ai un seed 4, il me semble, tout à fait, mais ouais, ça devrait démarrer, donc ils disent à 47, on va démarrer les pick et ban, donc on a 3 petites minutes, pour l'instant, tranquille.
Tranquille, comme tu dis. Tranquille. On vous rappelle du coup qu'il n'y a clairement pas que ce match-là aujourd'hui. Hein. C'est demi-finale, donc il y a trois matchs au total. Demi-finale, loser bracket, puis le gagnant ira en finale winner bracket, finale loser bracket, pardon. Et enfin, le gagnant de la finale loser bracket, pardon, ira en grande finale face à BDS. Donc du coup, voilà, on a trois matchs en tout cas dans cette petite soirée. Et pour le moment, on est sur ce premier match avec la demi-finale. Loser Bracket, K-Corp versus G1. Et comme tu l'as dit, les Pikeban qui devraient démarrer dans pas très longtemps. Il y a eu quelques petites infos un peu. Là, j'ai vu ça parler des cams, machin. Je sais pas si ça va être réglé. Je vais jeter un coup d'œil, là, vite fait. Style cam, oh, non. Ouais, à mon avis, si c'est réglé, ce sera entre les deux matchs. Otak, on l'a toujours. Voilà, Otak, il est là, il est en dessous de toi. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais tranquille. Mais ouais, j'en ai aucune autre pour le moment, donc. Ouais. Donc voilà. Bon, sinon Yannick, ça va bien ? Moi, ça va tranquille pour l'instant. Ce premier match, il fait plaisir. Premier petit BO5. Bon, 3-0. Moi, j'espère. Je veux toujours aller sur le decider, moi. C'est trop bien ce decider, ouais. Ça peut aller de n'importe quel côté et vraiment sentir la pression des joueurs là. Ah, bon. C'est vrai que le decider il est costaud. Hein. Bah, on est en grande finale grâce au decider aussi de la semaine dernière. Ouais. D'ailleurs les joueurs qui sont en train de s'entraîner sur Revs, donc ça me rappelle les petits souvenirs de la semaine dernière qui étaient assez fous. Mais ouais, exactement. D'ailleurs, dans ce genre de moment, il va bientôt y avoir les Pikeban, mais n'hésitez pas aussi si jamais vous avez des petites questions. Je sais pas, je pense pas que je puisse le voir. J'avais pas vu quel était le ratio de vote concernant la prédiction. S'il y avait beaucoup plus de votes sur K-Corp par rapport à G1 ou inversement. On a du 53% pour K-Corp, 47% pour G1. Ok. Donc vraiment equal. Hein. Pour le moment. C'est un coin bien cool. Ouais, carrément. Alors, j'ai une question. Je sais plus où elle est. C'est laquelle la meilleure équipe a tombé contre en finale ? Alors, je sais plus exactement ce qu'avait dit Afi, mais je crois qu'il disait qu'il voudrait bien retomber contre Solary, mais plutôt pour l'histoire. En mode, oui. Ça a été les deux meilleures équipes et c'est la grande finale que tout le monde attend, entre guillemets. Enfin, ce serait logique d'avoir Solary BDS en grande finale, mais je sais pas. Sinon, en termes de performance, on arrive vraiment sur les quatre dernières meilleures équipes. Donc, ouais. Franchement, et lui-même, il disait, on s'en fout. Nous, on réfléchit pas. Hein, non, on est là pour jouer notre grande finale et ouais, c'est ça. Et on va te donner pour. Donc voilà. Après, peut-être que au fond d'eux, ils auraient une préférence sur une équipe. Écoute, les Pikeban qui démarrent. Eh ben, je regarde un petit peu si on a des différences. Ah, Slowdown qui a été sélectionné par K-Corp, du coup. On démarre bel et bien sur un parcours. Reps, du coup, donc pas de freestyle de la part de attends, de G1 pour le moment. Ah, non. Et non, pas de freestyle qui va être last pick, j'imagine, par le système, là, vu ce qu'on est en train de voir. Ok, très bien, donc on a quand même un bout de différence. Par contre, moi, je suis très étonné sur le parcours first pick. Après, on en a parlé plusieurs fois. Je pense qu'ils sont trop mal rentrés dans leur match. G1 et à l'inverse, non pas bien rentrés dans leur match, ils sont trop bien rentrés dans leur match. Et que K-Corp, ils ont confiance en leur performance et qu'ils repartent sur parcours, quoi. Je pense que là, Gwen a ban Flip of Faith, mais espérait tomber sur Freestyle quand même en map 5. Ouais. C'était un 50-50 entre Agit Dash et Freestyle. Mais bon, je pense qu'ils ont, choisi la pire map, entre guillemets, leur pire map Brennan sur les trois maps qui restaient. Et Flip of Faith est tombé. On a Ota qui a encore une fois Game Crash. Je crois que la semaine dernière, il y avait des petits soucis. Ouais, c'est assez récurrent. Mais au moins, ça n'arrive pas sur des timings où il est en train de rouler. Souvent sur les transit maps et tout, donc ça va. Mais du coup, voilà. Je regardais le chat aussi de savoir s'il y avait des petites questions un peu à droite à gauche. Mais j'ai l'impression que c'est un peu en train de débattre sur les différentes équipes. À rappeler que c'est pas. Je vois pas mal de gens qui disent que c'est BO3 de BO5, mais c'est même pas le cas. Non. C'est un BO2 de BO5. Ouais. Et ensuite, Deciders, il y a égalité.
Exactement. Exactement ça. Je sais pas Merci. Pourquoi. C'est exactement ça. Mec, c'est. T'as vraiment dit les termes, quoi. Ok, Otak est revenu. Ça start dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Bah, parcours. Bon, alors après, moi, très content de démarrer par parcours. Map de fou. J'aime beaucoup cette carte. World Record par Elcon. En 1.01.9. Alors, World Record. Ouais. Pas exactement World Record, mais. Temps, le meilleur temps réalisé en match. Et écoutez, les amis, nous sommes partis. Kakor versus G1, deuxième BO5 de cette soirée. Je vous rappelle que le premier BO5 a été remporté 3-0 par G1. Je vous rappelle aussi que, en soi, le résultat n'a aucun intérêt. Parce que si Kakor gagne ce BO là, ça changera rien pour la Decider Map. Donc voilà. Mais en tout cas, on est parti sur parcours et pour le moment, ça démarre plutôt bien pour K-Corp. On va vraiment pouvoir savoir si K-Corp se réveille ou pas sur cette map-là. Parce que de 1, c'est leur pick et de 2, ils l'ont perdu au BO5 d'avant. Donc vraiment, pour moi, c'est un peu la manière de prendre la température sur le potentiel comeback de Karmine Corp. Après, Banks 3 à gauche. Et c'était vraiment le cas pour le premier. Oh non, Otak. Ouais. Et Banks qui prendra... Ouais, c'est dommage, hein. L'erreur d'Otak ici sur l'identité. Ça aurait pu aller chercher au moins un draw. Là, on est sur un round win de G1. C'est pas non plus la lose, mais il faut se réveiller, vraiment. Bah, c'est vrai que le premier BO avait démarré avec un ace de la part de K-Corp de la part de G1. C'était l'inverse. Ace de G1, de la part de K-Corp. Donc bon, c'est un début de match qui est un petit peu plus intéressant, mais par contre, visiblement, G1 sont là, hein. G1, ils vont strictement rien lâcher, en tout cas, surtout sur cette carte. Ça perd le slide légèrement de la part de Bren. J'ai l'impression que il a un tout petit peu trop soit release, soit mid coup de frein. Il se retrouve à la quatrième position, il va y avoir le léger passage bobsleigh sur lequel on peut gagner quand même pas mal de vitesse. Bren qui est très mal rentré dedans. Malheureusement, et là c'est que Otak qui peut venir récupérer la première position pour potentiellement assurer un draw pour son équipe. L'identité ici, on a vu à quel point G1 arrivait à récupérer beaucoup de vitesse juste avant l'identité. Et c'est ce qu'ils viennent de faire une fois de plus, hein. Otak qui subit les attaques des adversaires et attends-le. Oh ben. Oula. Oh non, c'est une cata. Mais en même temps, il s'est dit que c'était obligé pour aller assurer un ace, mais... Le respawn de Bren. Et respawn de Banks, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il s'est pris le... Et respawn de Banks, et respawn de Bren, non mais... Mec, quoi? Oh non, la Bren... Ok, là on a un problème. Là, il y a un vrai problème, que Bren n'avait qu'à terminer pour aller chercher un draw, et à la place, ils se reprennent un round win. Là, on est sur. Là, sur c'est des plus problématique. Petit souci côté K-Corp. Et ouais, du coup, on a. Mais mec, on n'a jamais eu cette situation. Je crois. Depuis qu'on caste le début de la TMGL, on n'a jamais eu cette situation d'avoir que deux joueurs, du coup, qui ont terminé. Et sauf que le premier, c'était un joueur G1. Et donc, du coup, ils ont eu round win. Et ce qui les amène à 4-2 déjà, ce qui est plutôt. Une avance assez intéressante, en particulier sur parcours, puis déjà une avance aussi mentale, hein, forcément. Ouais, je crois que t'as raison, hein. Première fois qu'on voit que deux finishes sur un round. Et ça arrive en lower bracket semi-final, donc c'est assez, c'est ouf. Assez drôle. Et là, on est sur un potentiel ace de la part de G1. Ça peut faire très très mal, les deux joueurs qui enchaînent bien. Bren, cette fois-ci, passera l'identité, mais terminera troisième. C'est à 2. 1.01.974 de la part de Gwen. Ça annonce la couleur. Ouais, ça annonce la couleur. Mais mec, ils sont déterminés. Ils sont dans leur match. Personne ne pourra leur empêcher de quoi que ce soit. Et là vraiment G1 qui montre un visage de top team, ce qu'on attendait d'eux suite à la saison, qu'on n'a pas forcément vu en fin de saison. Et là ça va être à K-Corp de vraiment
venir les embêter, venir leur empêcher. Et ce round pourrait être décisif vis-à-vis de ça, puisque justement on a deux erreurs un petit peu de la part de Banks et de Gwen. Le bobsleigh ici, on a vu à quel point il pouvait être très très bon sur l'identité. Moi je pense que Gwen ou Banks, s'il y en a un des deux là, il a déjà fait le call. Ok, bah ce sera pas Gwen. Il a déjà fait le call, il part sur le barrel, c'est 100% sûr. Banks, on va voir. Non, en vrai, il a pas besoin. Il a pas besoin. Il a même si pas besoin. Cousin, il le tente pas, mais au vu du jeu du round d'avant. Oh non, Banks qui fail. Bren qui est solo premier, du coup. Oh, t'as qui refail. Non, attends, Banks, il a la. Oh là, il part en trial. Non, ça va, ça va. Non, attends, on va peut-être mec, avoir un round. Non, mais non, avec... Otak n'y arrive pas. Ok, Banks va terminer. Là, il y avait moyen d'avoir un round avec qu'un seul éliminé. Qu'un seul joueur qui termine, pardon. Bon, alors, par contre, ce qui est positif, c'est que c'est Bren qui termine premier avec un très bon temps. Donc, parce que là, c'était Bren qui avait vraiment du mal depuis le début de cette carte. Donc, je pense que ça va le remettre dedans un petit peu. Mais. On est en matchmaking là, c'est pas possible. Littéralement, en fait. Je pense même qu'en matchmaking, ça termine plus rapidement, je pense. Ah ouais, de bonnes erreurs. On voit. C'est un match avec quand même beaucoup de pression, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que. Pareil, on en avait parlé en interview avec BDS, mais typiquement BDS, enfin, bien évidemment que les joueurs ils ont envie de remporter leur finale, mais en même temps ils ont un peu plus rien à prouver, ils sont déjà en grande finale, ils ont fait le parcours parfait. Là vous avez deux équipes qui essayent d'aller chercher la meilleure récompense possible, quoi. Non mais on rigole matchmaking et tout, mais en vrai il y a une grande pression de la part des joueurs, surtout avec... avec le public de K-Corp, hein, ils ont... Bien sûr, hyper important. Hein. C'est une grosse pression qu'ils ont, et ça, forcément, on s'en rend pas trop compte quand on est spec. Et là... Le Bren qui va peut-être clutch, ce sera un draw. Ouais. Ce sera un draw. Est-ce que ça peut redonner le ton pour K-Corp? Voilà. C'est pas terminé. On sait, il n'y a qu'un seul scénario de possible pour eux. Yannex, il me semble qu'il y a un dicton, hein. Oui, il y a un dicton, c'est que G1 n'a qu'à finir une fois deuxième. Enfin, un joueur doit finir deuxième. Et c'est la première map, du coup, un peu Gamers Second. Et c'est bon. Oh, le fameux Gamers Second. mais oui, hein, K-Corp qui est obligé de faire que des aces pour pouvoir remporter cette carte. Là, je pense qu'il faut juste qu'ils arrivent à faire un bon round, au moins pour terminer cette carte sur une bonne note, parce que bah pour le moment, depuis le début, ça s'est pas très bien passé. Hein. Ouais. Ouais, j'espère clairement une petite remontée sur les prochaines maps, mais on sent vraiment que G1 a clairement l'avantage, et Gwen qui va faire l'erreur. Du coup, ça laisse Bren et Otak 1 et 2. Ça peut être le début d'une remontada. On a Banks vraiment pas loin derrière qui tente un dépassement sur Otak. Et oui, et ça passe pour Banks. Je pense que... Oh là, se joue à 4 centièmes. Mais bon. Je pense que... j'ai l'impression... Enfin, je sais pas. La décision, elle peut être un peu différente, mais j'ai l'impression que Banks jouait en Carzone sur la fin de cette identité. On sent qu'il a été très confiant sur le fait de... j'ai un bon landing, je vois où est-ce que je suis par rapport à mes adversaires, j'y vais. Et il a pris la meilleure décision possible. G1 remporte la première map de ce deuxième BO. Et elle est très importante, cette deuxième map, parce qu'on n'est pas en BO7, on est en BO5, ça va très vite. Ouais. Est-ce qu'on peut afficher la cam de tag vite fait pour voir un petit peu bien sûr. La réaction? Alors, je fais juste ça. Vu que c'est la seule cam qu'on a. Bien sûr. Alors, elle va être au-dessus de toi. Donc... Ouais. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Allez, Bren, on se focus. Bonsoir. On y va. Les gars, je vous jure, c'est le mental, il va trop bien, tu sais, mais ils sont forts en face. Ouais, non, mais... Attends, et si j'affiche... Il est beau, il est chaud. On sent que il est OK pour une remontada, ils sont pas au fond du gouffre. Bren, un avis sur ce match? Aïe. Je comprends. Je comprends, il a besoin de se focus aussi. Oh non, c'est terrible. On s'y attendait, quoi. C'est terrible. Ouais, il est pas. Mais non, la vie, il est pas. Voilà. Hein. Non, mais en plus, on fait des vannes et tout. Et c'est déconcentré aussi. Et c'est... Mais oui, on le déconcentre en même temps. Mais... Bon, Yannick, faut qu'on arrête avec ça.
peut-être que je vais nous déplacer vers la droite, histoire qu'on aille déconcentrer les joueurs géants. C'est vrai que c'est une possibilité, mais bon, ça demande un petit peu d'orgueil. En vrai, non, tranquille. En vrai, non. Hein. En vrai, là, au tac, il peut faire le taf sur ce dernier turn. On va voir ici le gauche-droite, et non, ce sera... Non, c'est bon. Non, c'est Gwen qui est devant. Non, mais j'ai pas les skins, moi. Je vais déco Reco du serveur, d'ailleurs. Oh non, mais... Oh, le sang 57. Et au tac aussi, 59. Hein. Oui. Waouh. Ouais, c'est pas Afi qui l'aurait fait celui-là. Ça, je peux te le dire. Ça, je peux te le garantir. Ah ouais, non, ça roule fort. Hein. Et NT de Otak aussi, hein, justement. Ouais, c'est ce que je voulais mettre en avant. C'est que là, on a vraiment les deux joueurs qui étaient en... Qui étaient en point 5, littéralement. Donc, très, très, très impressionnant. Et je pense que... Ok, on fait des vannes parce qu'on est tous les deux streamers, mais on a fait que de le dire depuis le début, on a G1 qui est extrêmement impressionnant là, sur ce match-là, il n'y a rien à dire, c'est de la pure perf de leur part, on a malheureusement une légère touchette de la part de Bren, et c'est G1-là qui part très très bien sur ce deuxième round de back and forth, avec Gwen et Banks qui s'élancent sur cette identité. On a vu à quel point on pouvait remonter, hein, bien évidemment. Ça va clipper côté Otak à l'intérieur. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur côté G1 sur cette fin de carte? Et non, les amis, Gwen qui vient chercher une fois de plus un temps exceptionnel avec un 57.623. Parce que pour être honnête, c'est un temps exceptionnel. On a vu régulièrement des 57.8... 850 des 57.9 qui sont déjà des temps de zinzin, mais là 57.6, c'est vraiment 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 très impressionnant. On t'entend plus. C'est re-arrivé. T'avais peur que ça arrive, oui. C'est re-arrivé. Oui, mais oui. Ouais, parce qu'en gros j'ai une touche sur mon clavier apparemment qui me mute. Tu sais pas laquelle c'est? Non, je sais pas laquelle, mais je peux aller voir, mais à chaque fois j'oublie quelle touche je mets en oui, raccourci, tu sais. Je comprends. Mais CTRL-SHIFT-F9, là, comme ça, on a dit. Oui, je devrais faire ça, effectivement. Bon, désolé pour le t'inquiète petit pas. Mute. C'est pour ça que je te l'ai dit direct, j'ai senti. Merci. Et oui, non, mais ils ont fait 0.5 au round d'avant, là, et 0.6. Vraiment, c'est plus que rapide, hein. Bah même, enfin je veux dire, on a Afi qui est l'un des meilleurs joueurs sur cette carte, il n'a jamais... Oh, attends, le ace. Mais le ace de la part de Kakor, voilà. C'est ce genre de réponse qu'on attendait de voir. Erreur de Gwen, Banks qui fait quand même un très bon temps, et ce sera pas suffisant. Ace de la part de Kakor qui les amène à 4 points. Il y a une chance, il y a un espoir de revenir dans ce match. Ah, le truc c'est qu'ils font un ace et ils sont même pas devant en classement, tiens. C'est vrai, ça peut être, mais ça donne ça peut être c'est pour le mental. C'est un risque de mental. C'est la remontada, ça set up la remontada. C'est tout à fait possible d'aller chercher, en tout cas de se remettre dans son match. Après, bon, on prie à chaque fois pour qu'il se remette dedans, Pour l'instant, ça marche pas. Otak qui va rater son 3-6, qui va respawn. C'est fou, cette partie-là, en fait, on s'en rend pas trop compte, mais... On voit que les joueurs, dès qu'ils ont plus leur setup idéal, ça brise complètement toute leur marque. Erreur en vrai, de pas mal. Banks. Ouais. Ouais, il arrive quand même à y aller, mais wow, c'est la cata. Est-ce que Gwen peut faire quelque chose face à Bren? Bren sur un très bon round, trajectoire externe. Non, Gwen qui va toucher. Ah ouais, en plus de ça, gros respawn. Donc Bren qui va récupérer la première position. Et est-ce que Otak a pu revenir? Ce sera quand même pas suffisant. Et ça, c'est plus embêtant par contre. Je pense que Otak avait pas besoin de respawn où il a chaud. J'étais sur sa POV, donc j'ai vu, mais pour moi, il avait pas forcément besoin. Mais bon, bref. C'est pas grave. On a quand même 4 secondes de retard pour la deuxième position. Ouais. Pas souvent qu'on voit ça sur une map comme Back and Forth. En plus, où il y a pas tant d'erreurs à faire que ça, en tout cas de ce qu'on a vu de la saison, etc. Mais ouais, un draw ou petite erreur de Bren qui va perdre pas mal de vitesse sur ce passage. Mais ça va, il revient dans la course. Pas trop mal. Ouais, comme tu dis, et pour le moment, c'est G1 qui domine bien sur ce début de round. Ils ont l'air on fire. Bien évidemment, si G1 venait chercher un ace maintenant, honnêtement, la map serait quasiment pliée. Attention à cette trajectoire externe de la part de Bren, mais ça passe. L'entrée dans l'identité qui va être ici très importante pour repartir avec une bonne speed. Otak
qui peut venir empêcher l'Ace. Malheureusement, non. Justement, j'en parlais, hein, mais son entrée d'identité là a été catastrophique. Est-ce que Brent peut faire quelque chose? Oui, il y a eu un clip de la part de Gwen qui va se retrouver à la troisième position, qui va même se faire doubler par Otak si jamais il n'y a pas d'erreur avant la fin. Et c'est Banks qui terminera à la première place. Non, Otak! Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'attendais le résultat. Finish. Oh non, vraiment. Il tape le finish et du coup, il se fait dépasser par Gwen. Là, il va s'en vouloir parce qu'un draw, ça les aurait un petit peu gardés dans la course. Là, G1 qui se retrouve à 8 points. Un round win et c'est finito. Même un draw. Tu vois, un draw 9 à 7, ils sont bien. Et on a une erreur de Bren en early. Petite erreur aussi de Gwen qui se retrouve point 2 derrière. Ça démarre mal pour Kakor. Ça démarre mal pour Kakor. Ceci dit, Otak est plutôt bien positionné pour le moment. Gros retour avec une bonne speed de la part de Bren. J'ai l'impression qu'il y a une très Gwen. Grosse erreur de la part de Banks, normalement, non? Ou Gwen? Non, Gwen. Gwen. Avec Banks qui va toucher. Et là, c'est une occasion qui ne se reproduira pas une deuxième fois dans ce match, je pense. L'occasion de venir marquer un ace et venir récupérer 9 points. Ça va être très, très important pour eux. Est-ce que Banks peut revenir? Il a une mauvaise entrée dans cette identité. Il n'a pas trop de speed. Mais attention, Bren qui est exter, Banks qui va toucher. Et ça va être un ace pour K-Corp. Ok, là, on a encore une fois une manière de tester la température et de savoir si c'est fini ou pas. Parce que, à mon avis, si K-Corp ne gagne pas ce round, c'est foutu. Là, je le call. Genre, là, si vraiment 9 à 8, c'est une chance inouïe qu'ils ont de remonter. Et je suis un peu d'accord que s'il y a peut-être un round sur lequel on peut dire que là, c'est du mental, c'est ce round-là. Parce que ils sont absolument pas favoris du match pour le moment. Et là, ils ont vraiment la possibilité de pouvoir remonter dans ce BO, de pouvoir se relancer, de pouvoir repartir sur une map qu'ils auront pique. Donc c'est très, très, très important. Attends, parce qu'on a Bren qui a perdu un petit peu de vitesse à la sortie 3-6. Otak qui est pour l'instant en troisième position. Il a pas mal à faire. Il a Banks à doubler. Ou Gwen. Pour l'instant, l'entrée d'identité, elle est plus en faveur de Gamers First. On arrive sur les derniers gauche-droite. Gwen qui perd un petit peu de vitesse, mais Otak en a pas forcément plus. Les deux joueurs G1 qui sont roue dans roue. Otak, non, mais en vrai, je le comprends. Ouais. Oh là 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 là, ouais. Ouais. Ah, c'est dommage. Il y avait un joli snipe à faire de la part d'Otak. Il a tenté l'inter au poteau. C'était un peu la solution. C'est la solution dur, qui restait, quoi. C'est dur. Ils sont implacables, G1, en plus de ça. Parce que G1, par contre, sur les rounds qui comptent, on a vu aucune erreur des deux joueurs, quoi. Ouais, ça me paraît. Bon, on arrive sur le pic de Carmin Corp. Non, et puis même s'ils perdent, c'est que là pour le moment ils ont vraiment marqué aucune map dans ce BO. Et forcément c'est pas ce visage là de. Enfin le visage de cette équipe qu'on a envie de voir. C'est quand même une excellente équipe dans cette TMGL. Et ils y arrivent pas face à G1 aujourd'hui. Et littéralement, clairement, hein, c'est vraiment sage s'il y a 6-0 parce que c'est pas forcément ça qu'on aurait aimé voir. Ouais, c'est surtout la grosse performance de G1 jumelée à la moins bonne perf de Carmin Corp. Si, honnêtement, ils roulent pas. Ils sont pas mauvais du tout. Mais juste. On sent quand même un grand écart de différence de niveau pour l'instant entre G1 et KC. Ouais. Alors, je suis juste plus sur le serve, donc je vais te laisser. J'arrive. Pas de problème. Pour le moment, en tout cas, Bren est à la première place. On rappelle que c'est leur choix. Slowdown, c'est leur choix de map. Donc là, maintenant, ça va être à eux vraiment de délivrer. On arrive sur l'identité. Est-ce qu'il y a une équipe qui va avoir la même stratégie que Solari? On a G1 qui a cette stratégie qui leur permet de revenir. Bren qui jump. Et c'est un ace G1 alors qu'il semblait pas du tout que ça allait tourner dans ce sens. C'est un ace G1 pour ce premier round, mon cher Yannex, avec ce fameux world record qui a été claqué hier. Hein. Ce fameux world record qui a été claqué hier par Fidou en 56. Qui a été détruit même. Ouais. Parce que avant point 1, c'était point 3. Ouais, il avait skip le point 2, Fid, tout simplement. Et pourtant, ils étaient rapides.
Ouais, je suis de retour sur le serveur, tout est bon. J'avais plus le mode, j'avais plus les skins, j'avais plus rien. Si tout est revenu, c'est le principal. Ouais. Erreur de Banks. Erreur de Banks en early, effectivement. Mais bon, le Ace en début de map, en last map. Et en plus, la confiance que ça va donner à G1 s'ils prennent 3-0, 3-0. Ouais. Franchement, ça peut faire peur à Solary, là. Ça peut faire peur à Solary, clairement. Et en plus de ça, mais tu vois, par exemple, Slowdown, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouvais qu'à la base, la stratégie de Solary de l'identité, elle était pas ouf. Mais en fait, elle fait gagner beaucoup trop de temps et j'ai l'impression que maintenant, c'est obligatoire, quoi. Et Feed a fait point 1 sans la line de Solary. Hein. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Assez rapide. Hein. Allez, bonne remontée, en tout cas, de la part de K-Corp. Point 399 de la part de Otak. Gwen qui était juste derrière. Et ça remonte à 2-4. Donc, c'est déjà pas mal. Faut continuer sur cette lancée, hein, côté K-Corp. Là, faut rien lâcher. Bah on sent que le point 3 de TAC, ça montre aussi qu'il s'est peut-être un petit peu refocus, qu'il a fait un bon round. Là, il faut juste pas le souci, de, souvent quand on lâche ouais. un bon round, c'est que juste après, on fait une erreur ou un run poubelle, comme on appelle. Yes. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, quoique, j'ai pas forcément vu l'erreur qu'il a faite, mais... Ouais, j'ai pas vu non derrière, plus. J'étais sur la POV avec Bren qui s'en sortait très bien. Ouais, bah pareil. Une seconde 3 derrière Otak qui a pas eu de chance parce qu'il a raté juste avant le cruise control et du coup il a pas pu snowball, enfin ça a snowball son erreur entre guillemets. Il se trouve du coup à 2 secondes derrière, on arrive sur l'identité. Bren qui a pas mal d'avance avec point 3 quasiment, point 3, Banks et Gwen. Est-ce qu'ils vont aller chercher un draw? Ils tentent de push un petit peu sur Bren, mais Bren qui tient très très bien son avance et ce sera un point 45, première place pour Bren et ça va aller chercher le draw. Ouais, il était important ce round pour K-Corp. Le draw, c'est pas forcément ce qui les arrange, mais c'est important. Bah avec une erreur de 2 secondes de tac, tu vas chercher la meilleure solution dans l'immédiat, c'était le draw pour Bren. Et ouais, il a peut-être safe un petit peu son identité en sachant qu'il avait point 3 d'avance. Il s'est fait remonter hein, par Gwen et Banks. Mais ouais, bah, il était WR pace, mais... intelligemment il a safe un petit peu pour garder, conserver cette première place. On est reparti et là on a pas d'erreur sur ce round pour l'instant. Banks qui a pris un tout petit peu d'avance, Gwen un petit peu trop excité qui va laisser passer Bren et Otak devant et là on arrive sur l'identité, c'est très très serré. Allez, identité justement avec Gwen ici qui remonte très bien juste avant l'identité, ça va prendre la trajectoire intérieure avec les sapins, est-ce qu'il peut faire la différence? J'ai pas l'impression, c'est à Banks ici peut-être d'aller récupérer cette première place et non, il n'y arrivera pas. Otak et Bren du coup qui viennent récupérer le round victorieux, ce qui les amène à seulement un point d'écart avec G1 et on voit que c'est une map sur laquelle ils sont bien 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 à l'aise. Hein. Ouais, on voit clairement qu'à... Oh, l'erreur de Gwen, c'est pas si mal. En début en plus il passe la gear, vraiment, là il perd beaucoup beaucoup de temps. Non Bren qui va se faire remonter par Gwen, en tout cas roue dans roue, on va avoir 2 1v1 dans cette map. Et là, moi j'y crois au comeback de K-Corp, hein, je me dis, ouais non après c'est que Slowdown, mais j'ai envie de monter dans le train et me dire, et putain imagine il comeback là. Bah ça serait trop bien, pour le BO incroyable. De manière générale, oh ça serait trop trop bien. Otak pour le moment qui gère bien, donc Bren qui a fait une erreur. Ouais, Bren il a faceplant la flèche. Ah merde. C'est ciao. Allez, l'identité, Otak et Banks qui sont roue dans roue, ça va être très important. Banks qui jump, donc du coup grosse erreur de la part de Banks sur ce début d'identité. Otak qui devrait bien s'en sortir pour venir récupérer la première place et assurer le draw pour son coéquipier. Performance très très importante. Ouais, petite cam de tac là. Bien sûr. Sur le prochain round. Alors vous me verrez plus, désolé, mais. Bien sûr, bien sûr. Là j'ai envie de voir. Parce qu'on est sur une fin de match. Si on va voir un petit peu peut-être les réactions. Si tout d'un coup. Oh, la première erreur de Gwen. Voir un petit peu comment ils vont jouer. Ce round là, Bren et Otak. Après une erreur en early, normalement ils le voient sur les splits. On va voir là, 1 et 2, ça peut vraiment faire quelque chose.
Ouais, room très important ici sur Slowdown, c'est une map qui gère très très bien. Ceci dit, voilà, Banks est juste derrière, hein, vraiment. Excellent drift de la part de Banks. Il va revenir avec pas mal de vitesse normalement sur ses adversaires. Moins de 0.1 d'écart entre le premier et le troisième. Ça va se jouer jusqu'à l'identité. Imagine le ace de la part de K-Corp là-dessus, ce serait très très important forcément. Attention, Banks qui va passer entre les deux arbres, c'est bien réalisé de sa part. Imagine. Oui, je viens de capter. C'est. Imagine la cam d'attaque, elle est frise, genre. Mais il est hyper focus en vrai, non? Pense pas. Ouais, il est juste giga focus, les gars. Je vois pas de. Ah, il est vachement focus en vrai. Allez, par contre, on a un 8-8 sur une balle de match potentielle de Game of First. Allez. On est parti, et là, vraiment, c'est encore une chance inouïe pour K-Corp, s'ils veulent montrer, ou même pour l'honneur, tu vois, de mettre une map, parce que 3-0, ça ferait extrêmement mal, surtout de sortir des playoffs de cette manière-là. Ils ont vraiment pas envie, à mon avis. Rien que pour leur honneur, aller chercher une map, moi, ça me ferait plaisir pour eux. Et pour l'instant, ils sont très très bien positionnés, en première et deuxième place. On est parti, la Gwen. Ouh, attendez, c'était Bren qui a perdu un petit peu de temps sur le drift. Voyons voir l'identité. Pas de problème du côté des 4 joueurs. Ça joue sur le dernier drift. Attaque oh, qui tient bien ses premières positions. Et c'est oh. Le East, peut-être. Non oh. Non. Oh non, c'est... Mec, le round. Mec, et le Gwen round. Qui vient shipper cette première wow. place. Surtout que là, ils avaient pas besoin de Ace. Hein. Enfin, il fallait juste... Bah, qui gagne le round et qui est passé 5 secondes. Mais ouais, hein, comme tu l'as dit, le snipe, non, l'erreur d'Otak ouais, dès le début là. Du round. Pff, en vrai, là, ah, après un round pareil, t'as tout donné. Et à 20 millièmes, Gwen, il vient te shipper cette première place. Et 5 millièmes devant en plus, parce qu'ils étaient assez bien pour pouvoir potentiellement oui. ace. Donc c'est beaucoup, beaucoup t'as trop raison, dur. T'as raison, c'est même 5 millièmes, parce que si Gwen finissait deuxième. Ouais. Il gagnait quand même 2 points et c'était suffisant. C'est non, ça, exactement. C'est... Et je crois que c'est le round... En tout cas, j'ai pas souvenir d'un round plus close que ça. On avait 65 millièmes entre les 4 joueurs. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, il faudrait que Bren vienne récupérer la première position. Oh il y a une erreur de la part de Gwen ici. Mais est-ce que ce mais sera... C'est suffisant. Et non, oui, bah c'est suffisant pour Draw. Prolongation. C'est suffisant pour Draw. Et en effet, prolongation sur cette map, sur Slowdown. K-Corp qui, malgré les erreurs, se bat... pour conserver cette position. Grosse erreur hein, de la part de Gwen. Là, ouais. C'est assez important quand même de le mentionner. Très très grosse erreur dans un round qui était très important. C'était la possibilité pour eux de clore le match. Et il a fait une erreur. Non, mais je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais c'est une chance inouïe pour K-Corp. Ah, c'est la seule chance du match. Genre vraiment. Si là... On dit ça à chaque fois et au final il y a une nouvelle chance. Non là à mon avis c'est la dernière chance qu'ils ont. Ou Bren oh, on sent la pression, il a failli sortir de ce bobsleigh. Et ça va, il remonte bien en réalité. Attention à pas se prendre cette flèche ni celle-là. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal je dis ça, mais Banks et Gwen sont quand même top 1 et 2. Mais Otak peut aller chercher une première place peut-être et un nouveau draw. On va voir ici Bren qui tente tout pour remonter au moins un joueur. Au tac. Pas beaucoup de vitesse et ce oh sera. Oh là là. Ce sera. Ce sera une victoire. Oh là de là. G1. Quel temps de la part de Banks une fois de plus. Ouais, bah ouais, victoire attendue à la suite et fin de ce BO. Bren qui dit GL pour la suite. Très fair play sur cette fin de match. Et cher Yannex, là, j'avoue que ça a été un match de fou furieux, mais 6-0, quoi. Et du coup, fin du premier match. Gamers First, qui tout simplement a dominé le match. Karmine Corp qui n'était pas dans son assiette, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, on a quand même eu un joli match à cast, c'était cool. On se revoit pour le prochain match, qui sera donc G1 contre Solari. Voilà, Gwen et Banks contre Pac et Carl Jr. Ça annonce du lourd. Et ce sera la vidéo juste après. Des gros bisous. À très bientôt. Pense à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et à liker cette vidéo. Des bisous YouTube.